Je suis pas sincère. Test 1, 2. OK, je m'en vais sur le micro. Ah, ben voilà. OK. C'est bon. Hey, bonjour tout le monde. C'est le retour de la semaine de relâche, c'est pour ça. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 11 mars 2024, les 19h. Donc, nous passons immédiatement à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire. J'ai gagné. Donc, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis. Merci. Qui appuie la proposition? J'appuie, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur la jeunesse. Point 2 maintenant, adoption des procès-verbaux. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire. Oui. Je propose que le greffier soit dispensé de donner lecture des procès-verbaux de l'Assemblée consultative du 19 février, de la séance ordinaire du 19 février et de la séance extraordinaire du 26 février 2024, et que ces procès-verbaux soient acceptés tels que soumis. Merci beaucoup, M. Picard. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Labelle. Il n'y a pas de rapport au conseil. Point 4, administration financière pour les comptes à payer. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. J'ai gagné. Considérant la liste des comptes à payer datée du 6 mars 2024, considérant que la trésorière de la ville de Sorel-Tracy certifie que la ville dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles ses dépenses sont projetées, je propose que le conseil autorise le paiement des comptes pour la période du 15 février 2024 au 6 mars 2024, totalisant 6 622 981 et 53 et apparaissant à la liste en date du 6 mars 2024 soumise par la trésorière. Merci beaucoup, M. Gagné. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellan. 4.2 maintenant, retrait des rapports automatiques au compte d'opération pour le mois de janvier 2024. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. la jeunesse. Alors, je propose que le conseil reçoive copie du rapport des retraits automatiques au compte d'opération de la ville de Sorel-Tracy pour le mois de janvier 2024, tel que soumis par Mme Lauriane Dano, technicienne en administration au service des finances. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellan. 4.3, maintenant, travaux de colmatage de nids de poules pour l'année 2024. Qui en fait la proposition? Monsieur le maire. Monsieur Picard. Je propose que le contrat pour la réalisation des travaux de colmatage de nids de poules pour l'année 2024 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 90-88-29-45 Québec Inc. pour la somme estimée de 177 567 $ et 39 cents. Toutes taxes comprises, sommes pouvant varier selon les travaux réellement effectués et selon les sommes disponibles à cet effet, et que les documents d'appel d'offres numéro 2024-02-23, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties et que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci beaucoup, M. Picard. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellan. 4.4, c'est l'autorisation d'une provision pour les travaux de nid de poule. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Mme Labelle. Je propose qu'une provision de 17 756,74 représentant 10 % de la valeur du contrat soit autorisée pour les imprévus, ce qui porte le montant maximal autorisé à dépenser à 195 324,13 toutes taxes comprises pour la réalisation de ce contrat. Que cette dépense soit financée à même les activités financières. Ça complète. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. la jeunesse. 4.5, maintenant, c'est l'octroi de contrat service pour l'inspection des alarmes incendie, des lumières d'urgence, des gicleurs, des dispositifs d'anti-refoulement, de gicleurs, des hottes de cuisine et des extincteurs. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Bellan. Considérant le rapport décisionnel du 4 mars 2024 soumis par Mme Émilie Boutiette, chef de division d'approvisionnement, concernant l'analyse de soumission pour l'obtention de services d'inspection des alarmes incendies, des lumières d'urgence, des gicleurs de dispositifs anti-refoulement,
de Gicleur, des Hôtes de Cuisine et des Inc-Sainte-Heure concernant les recommandations contenues dans ce rapport et considère qu'en vertu de l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, une estimation de ce contrat a été évaluée par la Ville et que ce dernier a été évalué à 116 276,74 $, toutes taxes comprises pour 3 ans. Donc, je propose que le contrat pour l'obtention des services d'inspection des alarmes incendies, des lumières d'urgence, des gicleurs, des dispositifs d'anti-refoulement, des gicleurs de hotte, de cuisine et des extincteurs, excusez-moi, soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marco Cournoyer Inspection Incorporée, pour la somme estimée à 58 596,88 $, toutes taxes comprises, pour 2 ans. Que le prix forfaitaire par bâtiment soit compté à la deuxième année, ajusté selon le mouvement de l'indice du prix de consommation de la région de Montréal, établi par Statistique Canada. Que le document d'appel d'offres et la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Qu'advenant le cas où la Ville déciderait de se prévoir de la clause de renouvellement pour une période additionnelle d'un an, elle devra faire connaître son intention par écrit et l'adjudicataire au terme du premier 2 ans, que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci beaucoup, M. Bellan. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer. Merci, M. Gagné. 4.6, c'est l'autorisation d'une provision pour ces services d'inspection, justement. Alors, qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. M. Lajeunesse. Alors, je propose qu'une provision de 5 895,69 $, représentant 10 % de la valeur du contrat, soit autorisée pour les imprévus, ce qui porte le montant maximal autorisé à dépenser à 64 852,57 $, toutes taxes comprises, pour la réalisation de ce contrat. Que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Qui appuie la proposition? M. le maire, j'appuie. Merci, M. Picard. 4.7, maintenant, c'est le droit de contrat pour services professionnels pour la caractérisation de divers bâtiments municipaux susceptibles de contenir de l'amiante et de la peinture au plomb. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Bellam. Considérant le rapport décennal du 6 mars 2024 soumis par Mme Émilie Boutiette, chef de division approvisionnement, concernant l'analyse de soumission pour l'obtention de services professionnels pour la caractérisation de divers bâtiments municipaux susceptibles de contenir de l'amiante ou de la peinture au plomb, considérant les recommandations contenues dans ce rapport. Donc, je propose que le contrat pour l'obtention des services professionnels pour la caractérisation de divers bâtiments municipaux susceptibles de contenir de l'amiante ou de la peinture au plomb soit accordé au soumissionnaire conforme ayant obtenu le plus haut pointage final après évaluation, soit le groupe Gessefort, Poirier, Pinchin Incorporé, pour la somme estimée à 319 860,45 $, toutes taxes comprises, que les documents d'appel d'offres et de soumission de la présente résolution forment la convention en liant les parties, que cette dépense soit financée à même l'excédent accumulé non affecté pour une somme estimée à 292 075,23 $ au net. Merci beaucoup, M. Bellan. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Maintenant, c'est 4.8, l'autorisation d'une provision pour ces services professionnels. Donc, qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Monsieur Lajeunesse. Alors, je propose qu'une provision de 31 986,05 $, représentant 10 % de la valeur du contrat, soit autorisée pour les imprévus, ce qui porte le montant maximal autorisé à dépenser à 351 846,46 $, toutes taxes comprises, pour la réalisation de ce contrat. Que cette dépense soit financée à même l'excédent accumulé non affecté pour une somme estimée de 29 207,52 $ au net. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bellan. 4.9, l'autorisation de financement maintenant pour les travaux électriques de l'alimentation du nouveau complexe aquatique du 3030 Place des loisirs. Qui en fait la proposition? M. le maire. M. Picard. Considérant que la Ville de Sorel-Tracy a présenté à Hydro-Québec une demande d'alimentation électrique à la Place des loisirs dans le but d'alimenter le nouveau complexe aquatique, je propose que le Conseil autorise le financement d'un montant maximal de 24 585 $ au net pour la réalisation des travaux électriques à être réalisés par Hydro-Québec et ce, afin d'alimenter le nouveau complexe aquatique et que cette dépense soit financée à même l'excédent accumulé non affecté. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, mais seulement. Merci, Mme Labelle. 4.10, maintenant, c'est l'autorisation de financement des frais administratifs du ministère de la Culture et des Communications pour la politique d'intégration des arts à l'architecture pour le nouveau complexe aquatique, donc du 3030 Place des loisirs. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Lajeunesse. Alors, je propose que le Conseil autorise le financement d'un montant de 50 000 $ au net afin d'assumer les frais administratifs du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture
pour la réalisation du nouveau complexe aquatique du 3030 Place des Loisirs. Que cette dépense soit financée à même l'excédent accumulé non affecté. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, mais seulement. Merci, Mme Labelle. 4.11 maintenant, c'est l'autorisation de financement pour la réfection de la toiture du bâtiment abritant le local de signalisation du service des travaux publics. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Gagné. Considérant le rapport décisionnel du 20 février 2024 soumis par M. David Gagné, directeur du service des travaux publics, et les recommandations contenues dans ce rapport, je propose que le Conseil autorise le financement d'un montant de 19 635 $ au net pour la réalisation des travaux d'urgence visant la réfection du toit de la toiture du bâtiment abritant le local de signalisation du service des travaux publics, que cette dépense soit financée à même l'excédent accumulé non affecté. Merci beaucoup, M. Gagné. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellin. 4.12. L'approbation des recommandations du comité d'attribution des aides financières pour le compte rendu des 20 février et 1er mars 2024. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Picard. Je propose que le Conseil approuve les recommandations contenues au dit compte rendu et autorise le versement d'une assistance financière de 500 $ à l'Association des pompiers de Sorel-Tracy, de 500 $ à Pickleball Sorel-Tracy et de 1 385 $ au regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy et que ces dépenses soient financées à même les activités financières. Merci, M. Picard. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. 4.13 maintenant. Radiation de mauvaise créance, cour municipale commune de Sorel-Tracy, donc décès des parties défendresses, compagnie radiée d'office et irrécouvrable. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Mme Labelle. Considérant le décès des parties défendresses dans 49 dossiers judiciaires en suspens à la cour municipale commune de Sorel-Tracy, considérant qu'il y a lieu de radier les sommes dues à la ville par les parties défendresses, considérant le rapport décisionnel du 27 février 2024 soumis à ce sujet par Mme Stéphanie Savard-Caron, greffière de la Cour municipale, et la recommandation contenue dans ce rapport, je propose que le Conseil autorise la radiation d'un montant de 25 762,88 représentant la somme des 53 dossiers de la Cour municipale commune de Sorel-Tracy, selon la liste annexée au rapport. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellin. 4.14 maintenant. Autorisation de signature pour l'avenant numéro 1 du protocole d'entente de diffusion culturelle avec Azimut Diffusion Incorporée. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Bellin. Considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 18 septembre 2017, adoptait la résolution numéro 200-2017-09-711 afin d'autoriser la signature du protocole d'entente à intervenir entre la ville de Sorel-Tracy et Azimut Diffusion Incorporée pour l'utilisation du marché Richelieu à des fins culturelles et communautaires, et ce pour une période de 30 ans débutant le 22 septembre 2017. Considérant qu'il est d'avis du Conseil qu'il a lieu de demander le dit protocole d'entente concernant le projet d'avenant soumis, considérant le rapport décisionnel du 29 février 2024 soumis à ce sujet par Mme Julie Gauthier-Lafond, régisseuse de développement culturel, et à la recommandation contenue dans ce rapport, je propose que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la ville de Sorel-Tracy l'avenant numéro 1 du protocole d'entente de diffusion culturelle à intervenir entre la ville de Sorel-Tracy et Azimut Diffusion Incorporée pour l'utilisation du marché Richelieu à des fins culturelles et communautaires. Merci beaucoup, M. Bellin. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Lajeunesse. 4.15, autorisation de signature pour le renouvellement de l'entente de partenariat avec l'Office de tourisme, donc pour la gestion de la maison du gouverneur. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Mme Labelle. Considérant que l'entente liant la ville de Sorel-Tracy et l'Office de tourisme et congrès des vallées de l'archipel du lac Saint-Pierre incorporé en tant qu'occupant des locaux à la maison des gouverneurs est venue à échéance le 31 décembre 2023 et qu'il y a lieu de conclure une nouvelle entente, considérant le rapport décisionnel du 29 février 2024 soumis à ce sujet par Mme Julie Gauthier-Lafond, régisseuse au développement culturel, et les recommandations contenues dans ce rapport, je propose que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la ville de Sorel-Tracy
l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Sorel-Tracy et l'Office de tourisme et congrès des vallées de l'archipel du lac Saint-Pierre incorporé relativement aux obligations de chacune des parties dans la gestion de la Maison des gouverneurs. Que cette entente soit effective au 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2024. Que la Ville s'engage à verser un montant maximal de 31 007,34 $ taxes non comprises à l'organisme pour la durée de l'entente selon les modalités prévues. Que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci beaucoup, Mme Labelle. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer. Merci, M. Gagné. 4.16 maintenant. Commandite, plan de visibilité pour l'année 2024, la Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy métropolitain incorporée. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Alors, je propose que le Conseil autorise le versement d'une commandite de 5 000 à titre de partenaire argent dans le cadre du plan de visibilité pour l'année 2024 de la Chambre de commerce et d'industrie Sorel-Tracy métropolitain incorporée. Que cette dépense soit financée à même les activités financières. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Monsieur le maire, j'appuie. Merci, M. Picard. Passons maintenant à l'administration générale. 5.1, congédiement administratif d'un employé. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Bellin. Considérant le rapport décisionnel du 5 mars 2024 soumis par Mme Annick Desbiens, directrice du Service des ressources humaines, relativement au congédiement administratif de l'employé numéro 2765 et la recommandation contenue dans ce rapport, donc je propose que le Conseil entérine le congédiement administratif de l'employé 2765 et ce, rétroactivement au 4 mars 2024. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Lajeunesse. 5.2, nomination au poste de contremaître au bâtiment du service des travaux publics. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Gagné. Considérant que le directeur général a fait une demande au service des ressources humaines afin de procéder à la dotation du poste de contremaître au bâtiment et que ce dernier a procédé à un affichage externe, le tout suivant la politique de dotation de la Ville, considérant le rapport décisionnel du 5 mars 2024 soumis à ce sujet par Mme Catherine Daudelin, conseillère en ressources humaines, et les recommandations contenues dans ce rapport, je propose que le Conseil autorise la nomination de M. Alexandre Lantaigne au poste de contremaître au bâtiment du service des travaux publics, et ce, à compter du 18 mars 2024. Que le salaire de M. Alexandre Lantaigne soit fixé conformément à la recommandation contenue au rapport de Mme Catherine Daudelin, conseillère en ressources humaines. Voilà. Merci beaucoup, M. Gagné. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Labelle. 5.3, maintenant, nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme. Qui en fait la proposition? Monsieur le maire. Monsieur Picard. Je propose que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Yvon Laliberté à titre de citoyen résident au siège numéro 1 pour un premier mandat d'une durée de 2 ans. Madame Delphine Salvaille à titre de citoyenne résidente au siège numéro 3 pour un second mandat d'une durée de 2 ans. Et Monsieur Serge Dauphinet à titre de citoyen résident au siège numéro 5 pour un second mandat d'une durée de 2 ans. Merci, M. Picard. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. 5.4. Autorisation pour la création et l'ouverture d'un poste d'horticulteur-horticultrice journalière-journalier, l'abolition du poste 702-420 d'horticulteur-horticultrice chauffeur-chauffeuse au service des travaux publics. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire. Alors, je propose que le Conseil autorise la création et l'ouverture d'un poste d'horticulteur journalier au service des travaux publics. Que le Conseil autorise l'abolition du poste numéro 702-420 d'horticulteur-horticultrice chauffeur au service des travaux publics à compter du 31 mai 2024, date à laquelle le poste deviendra vacant à la suite du départ à la retraite de son titulaire. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Labelle. 5.5. Rapport d'activité du trésorier pour la période du 16 mars 2023 au 29 février 2024 en application de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, qui en fait proposition? Oui, M. le maire. M. Bellin. Considérant qu'en vertu de l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le trésorier doit déposer devant le conseil municipal un rapport de ses activités pour l'application du chapitre 13 de la dite loi pour l'exercice financier précédent, soit du 16 mars 2023 au 29 février 2024. Donc, je propose que le Conseil reçoive copie du rapport d'activité du trésorier relativement à l'application du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice financier précédent,
soit du 16 mars 2023 au 29 février 2024. Merci beaucoup, M. Bellan. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Lajeunesse. 5.6 maintenant, dépôt et lecture du certificat du greffier pour le règlement d'emprunt numéro 2570. M. le greffier. Merci beaucoup, M. Chevalier. Donc, 5.7 maintenant, dépôt et lecture du certificat du greffier, cette fois-ci pour le règlement d'emprunt numéro 2571. Merci beaucoup, M. Chevalier. 5.8 maintenant. Donc, rapport du comité sur la reddition de comptes du 28 février 2024. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui. Alors, considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 6 avril 2020, adoptait le règlement numéro 2457 concernant la gestion contractuelle, considérant que, conformément à l'article 5.2.5 du dit règlement, un rapport écrit du comité sur la reddition de comptes doit être déposé au conseil municipal. Considérant le rapport décisionnel du 29 février 2024 soumis à ce sujet par Mme Émilie Boutillette, chef de division approvisionnement, et la recommandation contenue dans ce rapport, je propose que le conseil approuve le rapport du comité de reddition de comptes du 28 février 2024 tel que déposé pour la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024, et ce, conformément à l'article 5.2.5 du règlement numéro 2457 concernant la gestion contractuelle. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bellan. 5.9 maintenant. Donc, avis d'assujettissement au droit de préemption pour le 1205 rue Antaya. Je pense, est-ce qu'on a eu le temps de préparer un visuel? On a 5 points. Le 1205 rue Antaya, c'est le lot qui est contigu la rue Antaya et la rue vers la descente de bateaux. Donc, c'est des chevaliers. C'est effectivement le lot où se trouve le bâtiment des chevaliers de Colomb. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui. Considérant que le droit de préemption est un des outils favorisant la mise en œuvre de la planification municipale, je propose que le Conseil autorise l'inscription au registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard de l'immeuble suivant, et ce, pour les fins municipales indiquées, soit le 1205 rue Antaya, le lot 3470-187, pour des fins municipales visées, parcs et espaces publics. Que le service juridique et greffe de la Ville soit mandaté afin d'entreprendre toutes les procédures requises à cet effet. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je l'appuie. Merci, M. Gagné. Je tiens à répéter que le droit de préemption, ce n'est pas une expropriation, loin de là. Simplement, c'est qu'on signifie que la Ville de Sorel-Tracy, si jamais il y a une transaction qui se fait, nous, on est intéressés. Dans le fond, on veut avoir un premier regard là-dessus. C'est un terrain qu'on trouve intéressant. Donc, poursuivons au 5.10. C'est la renonciation, cette fois-là, au droit de préemption pour le lot qui se situe au 350 rue Arpin. Donc, on a un visuel à cet effet. Donc, qui fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Gagné.
Considérant que le Conseil, lors de la séance extraordinaire du 14 août 2023, a adopté la résolution numéro 2023-08-434 afin d'autoriser l'inscription au registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard de l'immeuble situé au 350 rue Arpin, connu et désigné comme étant le lot 3 919 087 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, et ce, pour l'une ou plusieurs des fins municipales suivantes, soit environnement, milieu naturel, corridor faunique, espace public, terrain de jeu, parc, activités communautaires et pistes multifonctionnelles. Excusez-moi. Considérant qu'un avis d'assujettissement au droit de préemption a été inscrit le 25 septembre 2023 sous le numéro 28 294 837 au registre foncier du Québec, considérant que le propriétaire de l'immeuble a demandé que celui-ci soit soustrait au droit de préemption étant donné les aménagements qui y sont érigés, considérant que le propriétaire de l'immeuble désire pouvoir le vendre ultérieurement conjointement avec le lot 3 919 085 du cadastre du Québec dont il est aussi le propriétaire, considérant qu'après étude et analyse des documents et de la situation de l'immeuble, la Ville accepte de renoncer à son droit de préemption, je propose que la Ville de Sorel-Tracy renonce expressément à son droit de préemption en vertu de l'avis d'assujettissement inscrit au registre foncier du Québec sous le numéro 28 294 837, que le greffier, la greffière adjointe ou la conseillère aux affaires juridiques soient autorisés à radier l'avis d'assujettissement inscrit contre le lot 3 919 087 du cadastre du Québec, qu'une copie de cette résolution soit transmise au propriétaire de l'immeuble. Merci beaucoup, M. Gagné. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Maintenant, à 5.11, c'est l'autorisation de signature pour l'acquisition du lot situé au 74 rue de Bromont. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui. C'est moi. Ah. Ben oui, vous avez raison. Considérant que dans une lettre du 19 janvier 2024, le propriétaire du terrain vacant situé au 74 rue de Bromont est constitué du lot 4 288 687 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, a offert à la Ville de Sorel-Tracy de céder cet immeuble à titre gratuit, considérant qu'il serait opportun pour la Ville de faire l'acquisition du dit terrain, je propose que le Conseil autorise l'acquisition du lot vacant portant numéro 4 288 687 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, et situé au 74 rue de Bromont. Que mandat soit donné à Maître Frédéric Champigny de voir à préparer l'ensemble des documents nécessaires pour la conclusion de la transaction à intervenir. Que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'ensemble des documents nécessaires en pareille circonstance. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Lajeunesse. 5.12 maintenant, c'est l'autorisation de signature pour le bail avec le club de gymnastique Altigym pour la salle Jeanne-Hibert. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui, M. Bellan. Merci beaucoup. Considérant la relocalisation du club de gymnastique Altigym incorporé dans une partie de l'immeuble situé au 76-80 rue Plante, comme connu étant la salle Jeanne-Hibert, considérant le projet de bail soumis pour l'occupation de ces espaces, je propose que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy le bail à intervenir entre le club de gymnastique Altigym incorporé et la Ville de Sorel-Tracy relativement à l'occupation d'une partie de l'immeuble 76-80 de la rue Plante pour la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2029. Que le loyer mensuel soit de 3 356,56 $, taxes non comprises pour la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2024. Que le loyer soit indexé conformément aux dispositions du bail du 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Merci beaucoup, M. Bellan. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Labelle. 5.13, maintenant, c'est l'autorisation de signature pour une entente d'assistance financière avec le club de gymnastique Altigym. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Pierre. Considérant que le club de gymnastique Altigym est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir un mode de vie sain et actif par la pratique de la gymnastique, considérant que la Ville souhaite appuyer cet organisme dans la réalisation de sa mission en lui versant une assistance financière, je propose que le greffier ou le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'entente d'assistance financière à intervenir entre le club de gymnastique Altigym et la Ville de Sorel-Tracy pour les années 2024 à 2029. Merci beaucoup, M. Picard. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 5.14 maintenant, c'est l'autorisation de signature pour le bail avec l'Harmonie Calixa-Lavallée pour une autre salle de la salle Jeanne-Hibert cette fois-ci. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui. Alors, je propose que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy le bail à intervenir entre l'Harmonie Calixa-Lavallée de Sorel Incorporée
et la ville de Sorel-Tracy relativement à l'occupation d'une partie de l'immeuble du 76 et 80 rue Plante pour la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2029, que le loyer mensuel soit de 1 000 $ et 27 $, taxes non comprises pour la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2024. Que le loyer soit indexé conformément aux dispositions du bail au 1er janvier de chaque année à compter de 2025. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellan. 5.15 maintenant, c'est une autorisation de signature pour l'entente d'assistance financière avec l'Harmonie Calixa-Lavallée. Donc, qui fait la proposition? Oui, M. le maire. Mme Labelle. Considérant que l'Harmonie Calixa-Lavallée de Sorel Incorporée est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de contribuer à l'appréciation des arts par le public en offrant des spectacles de grande qualité et variété de genre et style d'œuvres musicales, des spectacles aux auditoires qui ne seraient pas en mesure d'assister aux spectacles ordinaires et de devenir un mentor pour les citoyens et jeunes de la région de Sorel-Tracy désirant se perfectionner dans la pratique d'un instrument, considérant que la Ville souhaite appuyer cet organisme dans la réalisation de sa mission en lui versant une assistance financière, considérant le projet d'entente d'assistance financière soumis, je propose que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy, l'entente d'assistance financière à intervenir entre l'Harmonie Calixa-Lavallée de Sorel et la Ville de Sorel-Tracy pour les années 2024 à 2029. Ça complète, M. le maire. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. 5.16 maintenant, l'autorisation de signature pour cession de rue, de terrain et d'infrastructure pour le quartier du Louvre. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Picard? Je propose que le Conseil autorise la signature de l'acte préparé par Maître Sylvie Desalliers, notaire, à intervenir entre Evo, quartier urbain, et la Ville de Sorel-Tracy pour la cession des lots concernés, ainsi que toutes les infrastructures et tous les travaux de génie civil décrits au protocole d'entente signé le 17 mai 2023, et que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'ensemble des documents nécessaires en pareilles circonstances. Merci beaucoup, M. Picard. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Lajeunesse. 5.17 maintenant, c'est l'autorisation de signature pour l'entente de services de contrôle et de refuge animalier, donc avec le service animalier Pierre de Sorel et Région. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. J'ai gagné. Considérant qu'il y a lieu de conclure une entente avec le service animalier Pierre de Sorel et Région relativement à des services de contrôle et de refuge animalier, considérant le projet d'entente soumis, je propose que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'entente à intervenir entre le service animalier Pierre de Sorel et Région et la Ville de Sorel-Tracy relativement à des services de contrôle et de refuge animalier pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au montant mensuel de 13 981 et 11 sous, taxes non comprises. Merci beaucoup, M. Gagné. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellan. 5.18, l'autorisation de signature pour la convention de prêt pour les collections archéologiques. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Alors, considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 8 mars 2021, adoptait la résolution numéro 2021-03-105 afin d'autoriser la signature de la convention de prêt avec le ministère de la Culture et des Communications pour l'emprunt d'artefacts du site iroquoien de Mandeville qui sont exposés au Biophare. Considérant qu'il y a lieu de renouveler la dite entente, considérant le projet de convention de prêt soumis, alors je propose que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy la convention de prêt pour les collections archéologiques à intervenir entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Sorel-Tracy pour la période du 21 février 2024 au 21 février 2027. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Labelle. 5.19 maintenant, l'autorisation pour le versement d'une subvention additionnelle provenant du ministère des Affaires municipales de l'Habitation pour le projet d'habitation de l'héberge du Grand Héron. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui, M. Gagné. Considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 21 mars 2022, a adopté la résolution numéro 2022-03-181 afin d'autoriser la signature de la convention de subvention pour le financement de projets d'habitation entre le ministre, la ministre responsable de l'habitation, la Ville de Sorel-Tracy et la Société d'habitation du Québec dans le cadre du projet L'habitation, l'héberge du Grand Héron. Considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 20 mars 2023, a adopté la résolution numéro 2023-03-170
afin d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 à la convention de subvention pour le financement du projet d'habitation L'Héberge du Grand Héron, considérant que cet avenant prévoit une subvention additionnelle d'un montant maximal de 720 000 $ aux bénéficiaires, la ville de Sorel-Tracy, pour la réalisation du projet L'Héberge du Grand Héron, considérant que dans de telles circonstances, il y a lieu pour la ville de Sorel-Tracy de verser le montant de cette subvention additionnelle, je propose que le Conseil autorise le versement de la subvention additionnelle ainsi que des intérêts générés à l'Héberge du Grand Héron provenant de la ministre responsable de l'Habitation, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à la suite de la signature de l'avenant numéro 1 de la convention de subvention pour le financement du projet d'habitation L'Héberge du Grand Héron. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellat. Signe que le printemps arrive, 5.20. Autorisation et fermeture de rue pour la tenue du bal définissant 2024 de l'école secondaire Fernand Lefebvre. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui. Alors, je propose que le conseil autorise les organisateurs du bal définissant de l'école secondaire Fernand Lefebvre à utiliser et à fermer la rue du collège entre la rue de Ramsey et la rue Monseigneur Nadeau le samedi 15 juin 2024 de 15h à 21h pour la tenue de leur activité. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, au service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy, à Ambulance Richelieu, à Exo Réseau de transport métropolitain, à la Société de transport collectif de Pierre-de-Sorel, ainsi qu'aux résidents de cette portion de la rue du Collège. Merci beaucoup, M. Lajeunesse, qui appuie la proposition. Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bellan. 5.21 maintenant, c'est l'autorisation pour la fermeture d'une partie de la rue Georges pour la collation des grades définissant 2024 de l'école secondaire Fernand Lefebvre. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Madame Labelle. Considérant que dans le cadre de la collation des grades définissant 2024 de l'école secondaire Fernand Lefebvre, les organisateurs de l'événement souhaitent que des photos officielles soient prises sur le parvis de l'église Saint-Pierre le 6 juin 2024. Considérant le rapport décisionnel du 29 février 2024 soumis à ce sujet par M. Joël Laroche, régisseur développement événementiel, et les recommandations contenues dans ce rapport, je propose que le Conseil autorise la fermeture d'une partie de la rue Georges entre le boulevard Fizet et la rue de Ramsey le 6 juin 2024 de 19h30 à 20h30 pour la tenue de cette activité. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, au service de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel-Tracy, à Ambulance Richelieu, à Exo Réseau de transport métropolitain et à la Société de transport collectif de Pierre-de-Sorel. Ça complète, M. le maire. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? M. le maire, j'appuie. Merci, M. Picard. 5.22 maintenant, c'est une demande de dérogation mineure pour le 51 rue Provost. M. le greffier. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, conformément à l'avis public affiché dans l'ordre de l'entrée de l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 20 février 2024, le conseil municipal doit statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété du 141 rue Provost. Cette demande vise à régulariser l'implantation du bâtiment principal situé au 141 rue Provost. Alors, toute personne intéressée par cette demande de dérogation mineure peut se faire entendre par le conseil à ce moment ici de la séance. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut intervenir à propos du 141 rue Provost? Non? Ça va. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Alors, je propose que la marge avant du bâtiment principal existant soit réduite à 0,45 m au lieu de 2,5 m comme l'exige le règlement de zonage en vigueur. Merci. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Labelle. 5.23 maintenant, c'est l'approbation des demandes de plans d'implantation d'intégration architecturale tirées du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 20 février 2024. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Picard. Considérant les recommandations contenues au procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 20 février 2024, je propose que le Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale ci-après mentionnés comme recommandés par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance ordinaire tenue le 20 février 2024, soit la demande du 3220 rue Marcel Joly, soit d'agrandir le bâtiment principal vers l'arrière, la demande du 171 rue de Ramsey, qui comprend l'installation d'une nouvelle porte sur le mur latéral gauche du bâtiment principal, la demande du 120 avenue de l'Hôtel-Dieu, installer des arrêts de neige individuels sur chaque versant de la toiture du bâtiment principal, et la demande du 192-192A
rue Georges, démolir la cheminée existante et la reconstruire à l'identique, et que le Conseil confirme que cette résolution est valide pour une période de 12 mois suivant son adoption, conformément à l'article 30 du règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Sorel-Tracy. Merci beaucoup, M. Picard. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer. Merci, M. Gagné. 5.24 maintenant, c'est la demande de modification de zonage pour l'immeuble du 7100-7300 route Marie-Victorin, donc issu du comité consultatif d'urbanisme du 20 février 2024. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui. Alors, considérant une demande de modification de zonage afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 3 étages, comprenant 40 logements dans la zone H-01-40, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande dans son procès-verbal du 20 février 2024 d'accepter cette demande de modification de zonage à certaines conditions. Je propose que le Conseil accepte la demande de modification de zonage et réglementaire aux conditions suivantes. Exiger un écran tampon le long de toute la ligne de terrain contigu avec un terrain occupé par une habitation comprenant de 1 à 4 logements. Exiger que la toiture du ou des bâtiments à être construits soit blanche, végétalisée ou recouverte d'un matériau de revêtement possédant un indice de réflectance solaire élevé. Que la largeur de l'accès au terrain et l'allée d'accès soient réduites de façon à respecter les normes applicables. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Oui, M. le maire. Merci, M. Bellin. 5.25 maintenant, c'est la demande de modification de zonage pour les immeubles du 3020 et 3030 boulevard de Tracy. Donc, encore une fois, issu du même comité consultatif d'urbanisme du 20 février 2024. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui, M. Picard. Considérant que cette demande vise plus particulièrement à autoriser l'agrandissement des bâtiments situés au 3020 et 3030 boulevard de Tracy dans le but d'y aménager 10 logements supplémentaires au 3020 boulevard de Tracy et 6 logements supplémentaires au 3030 boulevard de Tracy. Je propose que le Conseil accepte la demande de modification de zonage et réglementaire aux conditions suivantes. Établir des normes relatives à l'aménagement d'ouverture sur le mur arrière d'un bâtiment. Exiger que la toiture des bâtiments soit blanche, végétalisée ou recouverte d'un matériau de revêtement possédant un indice de réflectance solaire élevé. Établir des normes spécifiques relatives à l'aménagement d'un écran tampon le long de la ligne arrière des lots concernés et exiger que l'ensemble des constructions ou équipements soient localisés à l'extérieur de l'écran tampon à être aménagé. Merci beaucoup, M. Picard. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer. Merci, M. Gagné. 5.26 maintenant, c'est le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achats en commun pour des assurances responsabilités pour les parcs de roulis-roulants, les pistes de BMX et autres aménagements semblables pour les années 2024 à 2029. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M. Bellin. Considérant que conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Sorel-Tracy souhaite rejoindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et autres aménagements semblables le prochain de 2024 à 2029. Donc, je propose que la Ville de Sorel-Tracy joigne par la présente le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et autres aménagements semblables situés sur le territoire de la Ville de Sorel-Tracy pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. Que le greffier ou la greffière adjointe soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy l'entente intitulée « Entente de regroupement des municipalités » au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables soumises et jointes ou présentes pour en faire partie intégrante comme si recitées au long. Que selon la loi de la Ville de Sorel-Tracy, accepte qu'une municipalité ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement dans la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier de charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat du consultant adjugé en conséquence. Que cette jonction ne doive pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres
du contrat ou de mandat en cause. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Bellan. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Labelle. 5.27, adhésion de la Ville de Sorel-Tracy au projet Ici, on cultive la biodiversité de Nature Action Québec. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Mme Labelle. Considérant le projet Ici, on cultive la biodiversité proposé par Nature Action Québec visant à accompagner 10 municipalités dans leur démarche afin d'augmenter la biodiversité sur leur territoire et d'accroître leur résilience face au changement climatique en favorisant une gestion plus écologique des plates-bandes, pelouses et autres espaces verts aménagés, tant sur l'espace public que privé, considérant les résultats attendus dans le cadre de la mise en, de la mise en œuvre de ce projet pour chaque municipalité participante, soit l'adoption d'un plan de transition horticole et d'aménagement d'ensemble, d'une campagne d'information et de sensibilisation clé en main, ainsi que la tenue d'ateliers de sensibilisation et d'accompagnement afin de promouvoir la gestion écologique des espaces verts aménagés. Considérant que la réalisation du projet est conditionnelle à l'obtention du financement demandé par Nature Action au programme Action Climat Québec du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, excusez, c'est parce qu'il est écrit clinique, mais c'est bien climatique, je crois, de la faune et des parcs. Considérant que la Ville de Sorel-Tracy entend promouvoir la mise en place de milieux de vie verts, de territoires résilients, adaptés au changement climatique et favorables au maintien de la biodiversité. Considérant que l'élaboration d'un plan de transition horticole favoriserait la réalisation de tels aménagements. Considérant que la contribution financière demandée à la Ville de Sorel-Tracy est de 15 000 $ pour le projet, dont la valeur totale est estimée à 60 000 $. Donc, je propose que la Ville de Sorel-Tracy adhère au projet « Ici, on cultive la biodiversité » de Nature Action Québec, conditionnellement à l'obtention par cette dernière du financement demandé à Action Climat Québec. Que M. Jean-Martin Proulx, chef de division Bureau de l'Environnement, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy tout document ou entente à cet effet avec Nature Action Québec. Ça complète, M. le maire. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. la jeunesse. 5.28 maintenant, résolution d'engagement sur la préservation de la biodiversité pour le projet de plan Nature 2030 du gouvernement du Québec. Qui en fait la proposition? C'est moi, monsieur le maire. Ce sera pas long. Il y a beaucoup de considérants. Est-ce que vous voulez que je les lise toutes? Tous? Non, vous ne voulez pas, hein? Ils sont tous okay. En proposition. Je propose que la Ville de Sorel-Tracy s'engage à promouvoir la réalisation d'actions à l'échelle de son territoire pour lesquelles elle s'est engagée ou elle s'engagera par la voie de son conseil afin de contribuer à la mise en œuvre et l'atteinte des cibles du plan Nature 2030, notamment pour les cibles plus spécifiquement identifiées, soit cible 1, aménager le territoire en veillant à freiner les pertes de biodiversité et à assurer la résilience de cette dernière au changement climatique, cible 2, amorcer la restauration de 30 % des écosystèmes dégradés prioritaires, cible 3, conserver 30 % des milieux continentaux et marins du Québec. En élaborant une stratégie de conservation des milieux naturels à l'échelle de son territoire d'ici 2026 et en assurant la mise en protection à perpétuité d'au moins 80 hectares de milieux naturels à forte valeur écologique sur son territoire d'ici 2030. Cible 4, protéger les espaces menacés ou vulnérables et faire progresser leur rétablissement au Québec en identifiant les présentes sur le territoire et en évaluant les actions pouvant être menées pour réduire les menaces et contribuer à leur rétablissement. Cible 5, éviter l'introduction d'espèces envahissantes exotiques et des pathogènes préoccupants et freiner leur propagation en adoptant des outils réglementaires sur les espèces nuisibles et en réalisant des actions de prévention et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes sur des sites prioritaires. Cible 6, assurer la durabilité de l'agriculture et de l'aquaculture et réduire les risques de pollution affiliés. En adoptant et promouvant des incitatifs aux pratiques agro-environnementales durables et en continuant à appliquer le cadre réglementaire des mesures de protection des bandes riveraines. Cible 9, bonifier l'intégration de la biodiversité à la gouvernance de l'État.
En reconnaissant le Bureau de l'environnement de la Ville de Sorel-Tracy comme principal responsable des projets relatifs à la biodiversité et comme principale ressource pouvant offrir un soutien au personnel municipal et aux partenaires de l'organisation afin d'intégrer la conservation de la biodiversité dans les différents projets municipaux. Cible 12, mobiliser et réorienter le financement privé en faveur de la biodiversité, en évaluant la possibilité de mettre en place un fonds dédié à la biodiversité ou de contribuer financièrement à des programmes supportant des projets visant à protéger ou restaurer la biodiversité sur le territoire. Cible 13, améliorer le partage de connaissances, la communication et la sensibilisation pour mobiliser l'ensemble de la société pour la conservation de la biodiversité. En adoptant une approche de collaboration avec les organismes du milieu et les municipalités voisines afin de favoriser la mobilisation en promouvant l'éducation et l'implication citoyenne à la protection de la nature à titre d'observateur et de gardien de celle-ci et en favorisant l'accès à la nature aux citoyens. Ça complète, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Labelle. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bellard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, nous avons maintenant dans les avis de motion. Donc, avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 5.29. Oh, je suis allé trop vite. Merci de me rappeler à l'ordre. 5.29 maintenant, quand même c'est important, pour la proclamation du 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés, la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à tous et toutes, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence Inc. depuis 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, je propose que le Conseil proclame le 17 mai 2024 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en hissant le drapeau arc-en-ciel devant l'Hôtel de Ville en guise de soutien aux personnes LGBTQ+. Merci, M. Gagné. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Nous sommes donc rendus aux avis de motion. Donc, l'avis de motion 6.1 pour l'adoption du règlement numéro 2573. Donc, qui donne l'avis de motion? Oui, M. le maire. M. Picard. Je dépose le projet de règlement numéro 2573 concernant des modifications au règlement de lotissement numéro 2223 dans le but de modifier la zone H-01-255, la surface minimale d'un terrain exigé où s'exerce un usage de la catégorie d'usage habitation de type familial comprenant de 30 à 40 logements et d'un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil. Et précise que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public pour consultation. Juste préciser, c'est où, M. le maire? C'est sur le boulevard de Tracy, face à la rue des Cèdres. C'est un projet d'un immeuble de 40 logements. Il y a eu une consultation publique ce soir avant notre séance, où le projet a été présenté. Parfait. Merci beaucoup, M. Picard. 6.2, donc, l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2574. Qui donne l'avis de motion? Oui, Monsieur le maire. Madame Labelle. Je dépose le projet de règlement numéro 2574 concernant des modifications au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2226 dans le but d'apporter des ajustements à certaines dispositions intégrées au règlement qui apparaissent imprécises, manquantes ou discordantes avec d'autres dispositions. Donne avis de motion qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil. Et précise que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public pour consultation. Merci beaucoup, Mme Labelle. Point 7, maintenant, les règlements. Nous avons 5 règlements ce soir. Donc, le règlement numéro 2562. Monsieur le greffier. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce règlement, cette modification réglementaire vise à encadrer la réalisation d'un projet domiciliaire dans le secteur délimité au nord par le boulevard de Tracy, au sud par le prolongement de la rue de La Rochelle vers l'est jusqu'au chemin Saint-Roch, à l'est vers le
par le chemin Saint-Roch et à l'ouest par la rue des Muguets. Donc, dans un premier temps, le règlement vient agrandir la zone de parc P01-239 en même une partie de la zone d'habitation H01-229. Cette modification permettra de doubler la superficie du parc des Roitelets vers le sud, dont l'entrée principale est sur la rue des Muguets et située entre la rue des Hirondelles et la rue des Roitelets. L'agrandissement de ce parc se fera selon les mêmes configurations vers le sud face au parc actuel. La deuxième modification, on vient créer des zones dans le nouveau secteur résidentiel, en même la zone H-01-263 et une partie de la zone H-01-229. Cette modification permettra d'implanter ces zones dans le secteur non construit, délimité par, comme je vous ai mentionné tantôt, par le chemin Saint-Roch et à l'ouest, au nord par le boulevard de Tracy, au sud par le prolongement du chemin Saint-Roch, la rue de la Rochelle vers l'est jusqu'au chemin Saint-Roch, à l'est par le chemin Saint-Roch et à l'ouest par la rue des Muguets. La troisième modification, c'est on vient modifier la grille des usages pour les zones qui sont créées et les zones qui sont modifiées. On ajoute l'article 369.5 afin de prescrire les dispositions particulières applicables aux nouvelles zones créées, soit spécifier le nombre d'arbres requis par terrain selon la superficie de celui-ci, déterminer les matériaux autorisés en fonction de la pente de toit des bâtiments à être construits, établir des dispositions particulières pour les immeubles de 4 à 12 logements à être construits, établir des normes pour l'implantation des conteneurs à déchets et établir des normes pour l'aménagement des aires de stationnement hors rue. Merci beaucoup, M. Chevalier. Donc, qui en fait la proposition? Pour le 7.1. Pour le 7.1? Oui, oui. Seulement, excusez-moi. Constant qu'à la suite de son adoption par le Conseil le 19 février 2024, le second projet de règlement 2652 a fait l'objet de 13 demandes de participation au référendum dans les 8 jours qui ont suivi la parution d'un avis public à cet effet sur le site Web de la Ville le 21 février 2024. Constant que le nombre de demandes reçues est insuffisant pour la tenue d'un registre, concernant le dépôt du projet de règlement 2562 lors de la séance ordinaire du 19 février 2024 et de l'avis de motion donné à cette même séance, considérant qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, considérant que les copies de ce règlement sont à la disposition du public pour consultation depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à la sa lecture par le greffier, considérant que l'objet du règlement à sa portée a été mentionné par le greffier. Donc, je propose que le règlement 2562 concernant les modifications du règlement de zonage 22-22, dans le but de modifier les limites de zone H01-229, P01-239, d'abroger la zone H01-263 et de créer les zones 01-282, 01-283, 01-284, H01-285, H02-86, 02-87, 02-88, 02-89, 02-90, 02-91, 02-92, 02-93, 02-94 et 01-295 soit adopté. J'ai manqué le quatrième, c'était quoi? Donc, qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci, monsieur Lajeunesse. 7.2 maintenant, le règlement, l'adoption du règlement numéro 2563, monsieur le greffier. Donc, le règlement 2563 vient modifier le règlement numéro 2226 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Dans cette modification réglementaire, vient assujettir donc la réalisation du projet domiciliaire dans le secteur délimité par, au nord par le boulevard de Tracy, au sud par le prolongement de la rue de la Rochelle vers l'est jusqu'au chemin Saint-Roch, à l'est par le chemin Saint-Roch et à l'ouest par la rue des Muguets. Donc, d'assujettir ce terrain au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dans le but, entre autres, de régir le contrôle, l'apparence et l'intégration architecturale du projet, l'architecture des bâtiments principaux et accessoires, l'aménagement des terrains, des installations extérieures et l'aménagement des aires de stationnement. Merci beaucoup.
Alors, qui propose l'adoption du règlement numéro 2563? Oui, Monsieur le maire. M. Picard. Je propose que le règlement numéro 2563 concernant des modifications au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2226 dans le but d'assujettir les zones concernées soit adopté. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Labelle. 7.3 maintenant, c'est l'adoption du règlement numéro 2565. Monsieur le greffier? Oui, merci, Monsieur le maire. Le règlement 2565, c'est concernant des modifications au règlement de zonage numéro 2222 dans le but d'autoriser des usages supplémentaires et des bâtiments en forme de dôme dans la zone industrielle I01-90 et d'autoriser des usages commerciaux dans la zone I01-18. Donc, le premier objectif, c'est de modifier la grille des spécifications pour la zone industrielle I-01-18 afin d'autoriser certains usages à caractère commercial dans cette zone dans le but de permettre l'implantation d'une entreprise spécialisée en la vente de produits industriels de soudage et d'autoriser l'entreposage commercial extérieur et intérieur sur une partie du terrain de l'immeuble situé au 3255 rue Joseph-Simard. La deuxième modification réglementaire, ça vient modifier la grille des spécifications pour la zone industrielle I01-90 afin de permettre la réalisation d'un projet visant à aménager un centre de logistique industrielle, gestion et distribution de matériaux en vrac, desservant les industries du secteur, permettre les bâtiments en forme de dôme, assujettir le revêtement des bâtiments, de ces bâtiments aux normes industrielles, réduire certaines marges et permettre à certaines conditions l'entreposage en vrac extérieur. Ça complète, Monsieur le maire, excusez-moi, oui, ça complète le contenu du règlement en question. Merci. Merci beaucoup. Donc, qui en fait? Juste avant de procéder, je vais me retirer de ce point puisque mon employeur est en lien d'affaires avec l'entreprise concernée. Merci beaucoup, M. Gagné. Donc, M. Gagné se retire pour ce point. Donc, qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui. Alors, je propose que le règlement numéro 2565 concernant des modifications au règlement de zonage numéro 2222 dans le but d'autoriser des usages supplémentaires et des bâtiments en forme de dôme dans la zone I-01-90 et d'autoriser des usages commerciaux dans la zone I-01-18 soit adopté. Merci beaucoup. Qui appuie la proposition? Monsieur le maire. Monsieur Bellin, merci beaucoup. 7.4 maintenant, l'adoption du règlement numéro 2568. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce règlement concerne l'implantation de plaques de numérotation affichant les numéros civiques le long des voies publiques comprises dans le périmètre rural. Donc, à part ce règlement, on est autorisé à venir installer en bordure de chaque propriété sur les rues concernées des plaques de numéros civiques afin de bien identifier les bâtiments qui sont en bordure de rangs et de rues dans le secteur rural de la ville. Merci beaucoup, M. Chevalier. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Oui. Considérant le dépôt du projet de règlement numéro 2568 lors de la séance ordinaire du 19 février 2024 et de l'avis de motion donné à cette même séance, considérant qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, considérant que depuis le début de la séance, des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public et pour consultation, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par le greffier, je propose que le règlement numéro 2568 concernant l'implantation de plaques de numérotation affichant les numéros civiques le long des voies publiques comprises dans le périmètre rural soit adopté. Merci beaucoup, Mme Labelle. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Merci, M. Gagné. 7.5, finalement, l'adoption du règlement numéro 2569. Merci, M. le maire. Donc, ce règlement concerne les interdictions de virage à droite au feu rouge à certaines intersections. On avait déjà un règlement qui portait le numéro 1825 à cet effet qui va être abrogé par ce règlement. Donc, c'est une mise à jour qui vient décréter les interdictions à certaines intersections situées sur le territoire du virage à droite sur feu rouge. Et c'est en lien avec l'article 509 du Code de sécurité routière du Québec. Merci beaucoup. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. M.
Monsieur Gagné. Considérant le dépôt du projet de règlement numéro 2569 lors de la séance ordinaire du 19 février 2024 et de l'avis de motion donné à cette même séance, considérant qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, considérant que depuis le début de la séance, des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public pour consultation, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par le greffier, je propose que le règlement numéro 2569 concernant les interdictions de virage à droite au feu rouge à certaines intersection soit adoptée. Merci beaucoup, M. Gagné. Qui appuie la proposition? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Nous sommes donc rendus au point 9, période de questions pour l'assistance. Alors, le processus est toujours le même. Nous vous invitons à venir au lutrin, simplement à vous nommer et ensuite poser vos questions. Nous tâcherons d'y répondre au meilleur de nos connaissances ou du moins, nous trouverons les réponses pour vous dans un temps ultérieur. Alors, ayant un petit problème de micro, on est rendu le micro à la main. Un, deux. Oui, on vous entend bien. C'est au sujet des vignettes. Monsieur, vous êtes... De station, Claude Cousineau. Oui, Monsieur Cousineau. Oui. Une nouvelle vignette, 25 piastres. Oui. Moi, sur le Rue Adélaïde, on a actuellement des vignettes. On a de la misère à avoir de la profondeur parce que les gens s'en foutent. Puis là, en plus de payer 25 $ les fins de semaine, n'importe qui peut se parquer où sont les vignettes. Ouais. L'autre problème que j'ai un toit mou sur mon véhicule. Là, les vignettes sont censées être sur la vitre d'en arrière. Je fais quoi l'été? Oh. Je ferme mon stop, rouvre mon stop, je ferme mon top. Ça n'a pas de sens. Oh, là, pour le toit mou, là, je vous avoue, je n'ai pas réponse. Pas... Ça, je présume qu'on va trouver quelque chose. Je suis convaincu que dans d'autres municipalités, ce genre de situation arrive. Je suis convaincu qu'on va trouver une réponse pour vous. Mais concernant les vignettes, ce qu'on voulait, c'est la première des choses, c'est l'uniformité au niveau des vignettes dans la ville de Sorel-Tracy. Donc, ce qu'on veut, c'est que les vignettes, ça soit clair pour tout le monde. C'est toujours dans les endroits bien identifiés par les vignettes, toujours aux mêmes heures, et donc le même règlement partout sur le territoire. Donc, c'est sûr que la vignette en tant que telle, c'est un privilège. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des secteurs névralgiques où on veut quand même qu'il y ait une certaine quiétude pour les résidents qui sont là. On ne veut pas un achalandage monstre au niveau du stationnement. Évidemment, ça dépend toujours où est-ce qu'on habite. Donc, les vignettes, ce privilège-là, on ne peut pas l'autoriser pour 24 heures, 7 jours sur 7. Parce que ça devient comme si la rue était un stationnement privé à ce moment-là. Et donc, la rue, elle appartient à tous les citoyens, mais on reconnaît que parfois l'achalandage qu'il peut y avoir à cause d'un commerce ou à cause d'un service ou d'une institution fait en sorte qu'on veut quand même que les gens puissent pouvoir se stationner à proximité de la maison. Pour nous autres, l'achalandage, c'est le Colisée. Ouais. Parce que quand les hivers jouent, peu importe ce qu'il y a au Colisée, c'est certain que tout le monde vient se stationner dans la rue quand le stationnement est plein. L'été, les activités à la brasserie 207, il y a trop beaucoup de monde. Tout le monde vient se stationner là. Parce que je demeure en face de l'ancienne église Saint-Maxime. Ouais. On avait demandé les vignettes parce que les premiers locataires des habitations, ils s'en foutaient. Ils ne savaient même pas du stationnement, ils se parquaient partout. Là, on a eu ces vignettes-là pour avoir du calme. Mais là, avec ça, c'est un règlement-là. Le soir, la fin de semaine, on n'a plus de calme, là. Mais effectivement, on sait que les soirs, fin de semaine, du moins jusqu'à 20 heures, vous pouvez avoir du calme. Vous pouvez stationner votre voiture en avant de votre domicile avec votre vignette à ce moment-là, et ça va vous permettre de vous stationner. Mais c'est sûr et certain que quand il y a des événements, il faut quand même que les gens puissent se stationner aux alentours. Mais vous avez soit votre entrée résidentielle, je ne sais pas si vous avez une... On a trois autos dans la maison. C'est ça. Donc, vous avez votre entrée, puis en plus, chaque citoyen, en fait, chaque adresse peut avoir jusqu'à deux vignettes. Donc, vous pouvez stationner vos voitures dans la rue sans problème, sans que ça va être vos voitures à vous qui vont être là, puis en plus d'avoir votre entrée à vous. Puis pour finir le bal, quand ma fille a téléphoné au bureau pour payer ses vignettes... les règlements, tout ça, elle a fait part de mon problème de toi, mou. Oui. La secrétaire qui a répondu, bien, il a dit, c'est pas grave. Bon, ça, on fera le suivi, justement, pour la réponse. Ben, ça, il n'y a pas de problème avec ça. On fera le suivi, ça ne me dérange pas. Ça, sauf que j'ai trouvé qu'elle avait manqué
Oui, on va faire le suivi pour ça, puis on va trouver... on va essayer de trouver nos comparables ailleurs pour les toits mous là, de voitures, parce qu'effectivement, là, c'est un problème. Voilà. C'est qui décide, comme lundi, là? Oui. Il y avait de la neige partout. Oui. OK? La rue Victoria a tout été déneigée. La rue Delayette, pas pantoute. Les rues Albert, Alfred, ils n'ont pas passé. C'est-tu vous autres qui décidez, c'est-tu le boss au garage municipal? Pour la rue Victoria, est-ce qu'elle a un traitement différent? La rue Victoria, je pense... Ça a l'air que oui. Pas nous autres qui... Parce que Victoria, entrepreneur, c'est la ville de Sorel, non? Oui. Il y a certains secteurs que c'est la ville, oui, mais... Oui. Mais je pense que Victoria Delahaye, c'est la ville de Sorel-Tracy, mais il y a un plan de déneigement, là je... On va se renseigner. Ça n'a pas été déneigé du tout, sur Adelaide? Pas tout. Sa rue Adelaide, pas tout. On va y prendre des marches, là, puis c'était dans le milieu de la rue, dans les traces d'auto. Là, quand tu tombes, savoir s'il y a un char qui s'en venait. Ça n'a pas été déneigé. Ils ont déneigé tard hier soir. Mais c'est sûr que dans le plan d'opération, là, ça, je ne suis pas dans les opérations. Normalement, on s'assure que toutes les rues soient déneigées. Je ne connais pas le délai là, au niveau du déneigement, mais on va faire le suivi parce que là, effectivement... L'impression que j'ai, c'est que durant la nuit, bien, tu sais, tous les véhicules, il n'y avait pas d'interdiction de se stationner. Alors donc, quand les charrues ont passé, ils ont laissé une bordure. Et puis, c'est pour ça que vous avez une bordure, vu que les véhicules étaient dans la rue, non? Même pas nous autres, là. On s'est stationné sur le terrain de l'église, là. Fait que, nous autres, là, c'était libre. Okay. Il n'y a rien qui a été touché. Ah, ben, je vous dis ça parce que moi, c'est comme ça dans ma vie. Il y avait de la belle asphalte en dessous des autos, puis de la belle neige à côté. Bien, si ça n'a pas été déneigé, ça, c'est un problème. Ça n'a pas été déneigé. Et on va faire le suivant en conséquence. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Daniel, je demeure sur la rue Albert. Parfait. 46 Albert. Là, vous m'avez piqué un peu quand vous avez dit la rue, c'était un privilège. Privilège pour qui? Moi, le côté de la rue, c'est les habitations Saint-Maxime. D'accord. C'est gros. Au coin de la rue, c'est la garderie des Marguerites. Ouais. Où vous voulez qu'on s'assitionne? Là, je demande à Vieux Sorel. Ouais. Vous dites, ah, mettez vos autos dans vos entrées. Pensez-vous qu'on a des grosses entrées dans Vieux Sorel? Mais vous avez une entrée. Oui. Peut-être qu'elle avait pris un char dedans. On est deux. Mais un véhicule? Si ma fille, elle vient, elle ne peut pas. Elle va stationner à Andréa-Scolisée. Mais si vous avez deux véhicules, vous pouvez avoir jusqu'à deux vignettes. Avec vos deux vignettes... Oui. On va payer 50$ par année. L'autre bord, il ne paye rien. Puis il vient stationner sur notre bord. Puis le char de la ville ne passe jamais. Bien, nos agents circulent un peu partout. Là, on va, si vous voulez, on va prendre des photos, mais on va vous les montrer. Pas au jamais, c'est dans la rue. Quand ils sont venus, deux fois, c'est nous autres qu'on a fait des plaintes parce que ça n'avait plus d'allure. D'accord. Tout le monde stationnait là, puis on avait la pancarte. D'accord. Vous dites, sur quelle rue vous habitez? Albert. Sur la rue Albert, on va prendre des notes, on va s'assurer que nos agents aillent faire des tours dans ce côté-là. Pourquoi vous proposez? Tant qu'à faire ça, ça vous sera moins choquant, enlever la pancarte. Mais si, bien en fait... Là, moi, ça va moins me choquer qu'on va payer... Je suis retraité, je n'ai pas vos salaires, moi, là. 50$ par année. Puis en plus, que moi, ils stationnent là, pareil. Nous sommes ouverts. Est-ce que si, dans un secteur, les résidents qui s'y trouvent décident de... ils veulent retirer la vignette, puis que ça fait un consensus dans votre voisinage, on va pouvoir étudier le retrait... C'est pas gros, le voisinage, là, entre Adelaide et Bimol. C'est pas gros, vous avez à peu près 5-6 maisons. Bien, on va pouvoir consulter les résidents, vos voisins. Si vous faites ça, pourquoi? Bien, parce que les vignettes ont déjà été installées. Si les vignettes ont été installées, c'est parce que c'était une demande des gens du voisinage. Fait que c'est sûr les nouvelles vignettes? Pas les nouvelles vignettes. Les stationnements avec vignettes. On stationnait là, mais on ne peut même plus stationner. Les vignettes stationnaient dans chez nous. Mais ça, effectivement, là, à ce moment-là, il y aurait une contravention. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de vignette, qui se stationne dans un secteur avec vignettes. Ça va être moins choquant pour moi si vous l'enlevez, votre pancarte. Ils vont stationner là, ça va me faire moins choquer que de payer... Puis je sais qu'ils viennent se stationner là. Ça, on ne prendra pas ça. Bien, je vous comprends. Vous êtes sûr, regardez, comme M. Izzy et Cousignon, c'est la même affaire. On n'a pas de place.
Puis en plus, vous nous dites, mettez-vous dans vos cours. Ben oui, je paye des taxes à tous les ans. Ça fait 50 ans que je reste là. Mm-hmm. Je paye des taxes, puis m'a payé encore pour me stationner devant ma maison. Non. Mais, ça, vous êtes mieux de revoir vos affaires. Bien, je peux vous comprendre, mais quand on met une zone avec vignette, ça veut dire qu'on réserve ces espaces de stationnement-là pour ceux qui en possèdent. Oui. Mais posséder la rue, là... La rue, c'est pas une zone. Mais par contre, c'est ma maison. Je peux même pas stationner devant ma maison. Bien, si vous êtes... j'ai une maison de bord. Mon manège, c'est un appartement. Il n'y aurait pas de trouble. Mais comme vous dites, pour avoir la zone avec vignette de stationnement, ça, c'est un privilège parce que vous dites à tout le monde autour, si vous n'êtes pas résident ici, vous n'avez pas le droit de vous stationner ici. Allez dire ça aux habitations de Saint-Maxime, que la police a volé deux, trois fois par semaine. Allez lui dire ça, voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Tout à fait. Mais si votre voisinage décide que les vignettes, on n'en veut plus, on est prêt à écouter ça, puis on retirera les zones de vignettes. Vous l'auriez passé, vous l'auriez demandé, on vous l'aurait tout dit tout de suite. Mais comme je vous dis, c'était une demande... J'ai vu dans le journal. J'ai appelé M. Maudou, je disais ça. Mm-hmm. Bien, il dit, oui, on a passé ça le 19 février. Oui. Vous n'avez pas consulté. Bien, on a modifié le règlement au niveau de l'application de la vignette. Mais la zone avec vignette, elle était déjà là depuis longtemps. Parce que si c'est ça, moi, je vous dis, enlevez la pancarte. On va pouvoir consulter vos voisins, puis on arrive avec une décision là-dessus. Merci beaucoup. J'avais juste une petite question au point 4.10. Autorisation de financement, frais administratifs, ministère de la Culture, politique d'intégration des arts, ça c'est pas arrivé souvent là, qu'on intègre une œuvre d'art dans un nouveau bâtiment. C'est arrivé déjà, là, mais je veux dire, ça fait partie de la politique des œuvres d'art du ministère de la Culture et des Communications. Il faut, ouais. Mais est-ce que ça fait partie de leur politique de refiler les frais aux municipalités administratives de ça? Ben oui. Pour vrai? Ben oui, ben il y a des subventions qui vont venir avec ça. Non, mais je trouve ça drôle parce que c'est une obligation du ministère de la Culture, mais file la facture à la municipalité. Ça a été fait dans le cadre du bâtiment de Statera. OK. Ça a été fait dans le cadre du bâtiment de Statera. La salle de spectacle aussi, j'imagine. La salle de spectacle, puis celui-là. Quand c'est des projets d'envergure... Mais je ne l'avais pas vu passer écrit comme ça, peut-être, mais je ne savais pas qu'il refilait la facture des frais administratifs. Oui, ben il faut prévoir ça dans nos budgets. Oui. OK, merci beaucoup. Merci. Allez-vous me faire parvenir le résultat de votre recherche par rapport à mon toit, pour la vignette sur mon auto? À propos de... Oui, bien écoutez, on va prendre vos coordonnées, là, puis on va vous contacter. OK. Puis vous avez dit deux vignettes par adresse? Oui. Oui, ma blonde, la demeure à l'extérieur, quand elle vient, as-tu le droit de prendre une vignette? Parce que quand on vient demander une vignette, il faut montrer notre permis de conduire. Oui, donc... On n'a pas les autorisations visiteurs, c'est vraiment pour résidents seulement. OK, merci. Merci. Donc, si nous n'avons plus d'autres questions, nous allons maintenant passer au point 10, c'est la période de mise à disposition des membres du Conseil. Donc, M. Picard, à vous la parole. Oui. Je ne sais pas de quoi vous allez nous parler. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Petit retour sur la semaine de relâche qui vient de se passer parce que c'était les 58e Jeux du Québec d'hiver qui se sont déroulés à Sherbrooke. Et il y a eu une équipe de la ville de Sorel-Tracy qui est allée voir sa valeur de quoi. Donc, des employés de la ville avec le directeur général qui ont passé 4 journées à Sherbrooke, lundi, mardi, mercredi, pour un peu connaître le fonctionnement des Jeux du Québec. Même si nous, on dépose pour les Jeux d'été, le fonctionnement reste quand même le même. C'est une très, très grosse organisation. Grosso modo, vous avez 3000 athlètes de 12 à 17 ans qui viennent en deux blocs de compétition. Donc, il y a un premier 4 jours. Ensuite, les jeunes repartent vers la région et il y a un nouveau 1500 jeunes qui arrivent pour ces compétitions-là. L'équipe a pu aussi regarder la logistique, comment ça fonctionne, niveau bénévole, niveau employé. Mais l'emphase vraiment est vraiment mise sur la qualité pour les athlètes pour leur faire passer un séjour assez incroyable. Moi, je suis allé samedi pour jaser un peu avec le comité organisateur. J'étais avec M. Fleury et Benoît Simard, qui est le directeur des loisirs. On a aussi assisté à la cérémonie de fermeture des Jeux, qui ressemble un petit peu à ce qui se fait aux Jeux olympiques, en plus petit, évidemment. Il y a tout un protocole assez incroyable et intéressant. Je voulais vous parler aussi
budget, mais eux, ce qui est typique aussi à Sherbrooke, c'est que, bon, Sherbrooke a souvent des événements sportifs d'envergure. Là. Ils ont beaucoup, beaucoup d'infrastructures sportives, étant donné que c'est une ville universitaire, et sont habitués d'accueillir des Jeux, notamment les Jeux du Canada en 2010. Et eux, ce que le conseil municipal trouve important quand ils organisent des événements d'envergure comme ça, c'est d'avoir des legs. Donc, il n'y a pas seulement un leg en infrastructure sportive, mais il y a aussi un leg monétaire pour des enveloppes, soit du matériel pour des associations sportives, et il y a aussi des fonds pour développer les athlètes de la région. Des trucs qu'on n'a pas. On a déjà discuté du fait d'appuyer certains athlètes de notre région. Là, eux, ils appellent ça le fonds du sport de la ville de Sherbrooke. C'est un 50 000 $ qui s'en va là à chaque année. Il y a le fonds des legs des Jeux du Canada, comme je vous avais dit, la ville les a accueillis en 2010. Ça, c'est un événement pas mal plus gros, là, parce qu'à chaque année, chaque province reçoit les Jeux. Et les prochains Jeux au Québec, c'est à Québec en 2027. Donc, c'est intéressant. Et l'association, le comité organisateur nous disait aussi que niveau budget, ils ont respecté leur budget. La ville, elle, a investi environ 1,3 million de $ pour le budget de fonctionnement des Jeux du Québec, plus l'équivalent en services. Services, c'est-à-dire que soit que la ville fournit du matériel ou de la main-d'œuvre. Fait que, par exemple, pendant les Jeux, bien, vous avez des employés de la ville qui sont prêtés à l'organisation. Ça équivaut en termes de contribution financière, même si ce n'est pas de l'argent qui sort directement des poches. On a aussi jasé de retombées économiques, parce que souvent, on essaie de vendre les Jeux en parlant de retombées économiques. Grosso modo, ce que l'étude qui avait été faite par les Jeux du Québec, là, l'organisation, puis j'avais confirmé avec M. Proulx, qui est le président des Jeux du Québec de Sherbrooke. Là, eux, leur estimé était à 19,8 millions. Et là-dedans, il y a à peu près déjà 1 million en nourriture pour les athlètes. Fait que ça monte quand même assez vite. Et il y a beaucoup de compagnies locales qui sont sollicitées pour fournir des services aux Jeux du Québec. Et fait quand même assez particulier pour Sherbrooke. Il n'y a pas neigé cet hiver. Habituellement, c'est un spot à neige, c'est incroyable. Pour avoir passé 4 ans à l'université à Sherbrooke, il neigeait vraiment beaucoup. Et cette année, il n'y a pas neigé. Et les bénévoles, sont à peu près 2500, ont sauvé la compétition de ski de fond en faisant fonctionner des canons à neige nuit et jour, en se promenant avec des toiles. Vous irez voir ça, là, si vous voulez, ski de fond, Sherbrooke, Jeux du Québec. Là. Les jeunes ont pu faire leur compétition parce que c'était vraiment pas acquis, parce qu'il n'y avait vraiment pas de neige. C'est ici, à Sorel, il n'y a pas neigé beaucoup. Mais samedi, il restait pas un banc de neige dans la ville. En terminant, comme je vous ai dit, 2500 athlètes, c'est divisé en régions sportives. Il y en a 19 au Québec. Nous, on fait partie de Richelieu-Yamaska. Ça inclut notamment Sorel-Tracy, Belleuil, Saint-Hyacinthe. On a terminé avec 30 médailles, ce qui est quand même très bien. Et la région gagnante est notre région voisine, la Rive-Sud, avec 85 médailles. C'est des machines de sport là, dans le classement. Là. La deuxième, c'est les Laurentides avec 56. Là. Fait qu'il y a vraiment de très, très bons athlètes. On en a aussi. En quelques chiffres, en moyenne, vous avez 100 000 spectateurs. Toutes les activités sont gratuites aussi. Fait que si jamais vous voulez aller voir des Jeux du Québec, les prochains d'ailleurs sont à Trois-Rivières l'été prochain. C'est gratuit, sauf pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture. 65 000 repas fournis aux jeunes. 12 000 articles promotionnels vendus, notamment mon chandail et mon drapeau Richelieu-Yamaska. 3 000 heures de services de transport, 1 300 nuitées d'hébergement de plus dans la région. Et on me chuchote à l'oreille qu'on a utilisé 1 200 volants de badminton. ce qui est quand même beaucoup. En terminant, je voulais souligner aussi la participation de deux athlètes de mon secteur, Édouard Salva, qui est un gardien de but, qui représentait Richelieu-Yamaska, et Florence Dionne, qui était aussi gardienne de but pour son équipe. Malheureusement, n'ont pas rapporté de médaille, mais quand même se rendre aux Jeux du Québec. C'est très intéressant. Si ça vous intéresse, allez voir sur Facebook, dans les médias sociaux, il y a beaucoup de trucs sur les Jeux de Sherbrooke. Ben nous, on continue notre travail. C'est un travail quand même de longue haleine parce qu'on doit monter un dossier technique avec tous les sites de compétition où on va accueillir nos jeunes. Ça se fait d'ici un mois. Et nous sommes maintenant rendus deux villes, Sorel-Tracy et Saint-Georges-de-Beauce. Terrebonne a
s'est retiré de la course. Manque de temps, manque de ressources, parce qu'ils sont dans l'organisation, si je ne me trompe pas, de leur 350e anniversaire. Ça prend beaucoup d'organisation, éventuellement, il faut choisir. Donc, on s'en reparlera. Dépôt de notre dossier technique, là, on évalue nos sites de compétition. C'est sûr qu'il y a du travail à faire, notamment au niveau piste de l'athlétisme, BMX. Donc, voilà pour les Jeux. Si vous avez des questions, téléphone, courriel, Facebook, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, M. Picard. Mme Labelle? Bien, simplement mentionner que je me réjouis des deux belles résolutions ce soir, là, qui concernent l'engagement de la ville de Sorel-Tracy, préserver la biodiversité. Deux beaux programmes, deux beaux engagements. Le Bureau de l'environnement, bravo, très actif. Et je me réjouis beaucoup de cet engagement là, de la ville de Sorel-Tracy pour préserver notre environnement. Et je demeure disponible sur Messenger, sur mon adresse courriel de la ville de Sorel-Tracy, l'extension 5002. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Labelle. Monsieur Lajeunesse. Oui, Monsieur le maire. Alors, nous, à la ville de Sorel-Tracy, nous appuyons plusieurs journées tout au long de l'année, mais il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, qui est passée le 8 mars dernier, c'est-à-dire la journée de la femme. Et puis, depuis votre élection, Monsieur le maire, on peut mentionner qu'il y a eu la nomination de 3 personnes femmes au sein de comités clés de présidence de comité et tout ça. Alors, j'aimerais mentionner, entre autres, Vicky Bussière, qui est notre trésorière et qui a également été nommée directrice générale adjointe à la municipalité. Également Frédéric Cloutier-Pichette, directrice au service de l'urbanisme, et ainsi que Annick Desbiens, directrice des ressources humaines. Alors, mais je tiens également à mentionner qu'elles n'ont pas été élues seulement là parce que, nommées là parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles étaient les plus compétentes. Alors, voilà. Bravo et bienvenue dans notre organisation. J'aime ça. J'ai toujours pensé comme ça. Alors, voilà. Et puis, c'était mon point du jour, Monsieur le maire. Toujours disponible. Vous pouvez me rejoindre 450-780-5600, poste 5003 et également à la poissonnerie. Merci, Monsieur Lajeunesse. Monsieur Bélan. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Excellent, merci. Je n'ai rien à ajouter. Je vais vous parler des Jeux du Québec, mais finalement, monsieur s'en est chargé. Donc, je n'ai rien à rajouter. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Gagné. Deux petits points rapides. Un peu le message, relayer le message du service incendie. On a changé l'heure ce week-end, donc on vérifie nos détecteurs de fumée. Très important pour la sécurité de tous. Et puis, j'ai eu des appels et j'ai lu aussi des commentaires sur Internet au sujet de l'intersection Bouvard-Gagné et Couillard-Després. Sachez que le dossier n'est pas abandonné. Monsieur le maire, vous êtes très au fait de ce dossier. Donc, on n'abandonne pas, on ne lâche pas la pression. Évidemment, malheureusement, la balle est dans le camp du MTQ, mais soyez assurés qu'on ne laissera pas tomber le morceau et on continue de tenter de faire avancer le dossier. Pour le reste, vous pouvez me joindre en tout temps à courriel, Messenger ou 450-855-3588. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, pour ma part, ce soir, vous voyez, on porte tous une épinglette. C'est que le 13 mars prochain, c'est la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Donc, bien sûr, cette année, le thème, c'est l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est une responsabilité collective. C'est pas juste une responsabilité individuelle. Donc, quand on a une meilleure estime de soi, bien sûr, la santé mentale, elle va mieux. Donc, c'est important de soutenir nos proches, soutenir nos gens, travailler en collaboration, les institutions, justement pour valoriser l'estime de soi chez tous les gens, des plus jeunes aux plus vieux, c'est important. Deuxième point, les Jeux du Québec. Je ne referai pas le résumé que M. Picard a fait, mais tout ce que j'ai pu vous dire, c'est qu'en suivant les Jeux du Québec sur les réseaux sociaux, à la télévision, à RDS, c'est sûr que pendant une semaine, on n'a parlé que de la ville de Sherbrooke. Quand on parle au niveau du sport, et que des jeunes partout au Québec qui se sont déplacés là-bas, et ce qui fait en sorte que ça a fait vibrer la ville de Sherbrooke pendant toute cette semaine-là. Alors nous, évidemment, c'est un des objectifs aussi qu'on fait, c'est de faire vibrer la ville de Sorel-Tracy, justement pour s'ouvrir sur le monde, mais surtout pour faire vivre, pour que les jeunes puissent vivre des Jeux exceptionnels. Et puis c'est d'abord et avant tout pour les jeunes, pour ces athlètes, qu'on fait ça. C'est nos représentants de demain, c'est notre fierté. Alors, il faut les soutenir. C'est pour ça qu'on veut se lancer. On veut justement mettre à profit notre région pour que ces jeunes-là puissent se dépasser eux-mêmes.
Le 26 mars prochain, la Ville de Sorel-Tracy présentera en collaboration avec l'Association des fournisseurs de chantiers des vies le Symposium canadien sur la maintenance navale qui aura lieu à Brossard. Donc, c'est un rendez-vous pour tous les constructeurs canadiens au niveau de l'industrie navale qui vont se retrouver là-bas. Et nous, en tant que partenaire présentateur, disons en collaboration avec eux, ça va nous donner une tribune justement pour parler de notre région, faire valoir justement nos atouts que nous avons ici même à Sorel-Tracy, ces atouts dont on est les héritiers de tout ce savoir-faire au niveau de la construction navale que nous avons. Alors, il est temps de faire revivre ce site et donc on continue justement nos représentations à travers le monde. Et là, cette fois-ci, ce sont tous les constructeurs canadiens qui vont pouvoir être là, même certains Américains, je pense, qui vont être là également. Donc, on se met en vitrine pour le monde, pour attirer des entreprises chez nous. On a des atouts exceptionnels. Il suffit juste de les montrer puis de faire parler de nous. Et justement, faire parler de nous, bien, je termine là-dessus. Je vous invite, parce que deux jours plus tard, ce sera le 28 mars, c'est le dîner de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, le dîner annuel du maire. Donc, je vous invite, cap vers la croissance. On travaille pour avoir beaucoup d'annonces à faire lors de ce dîner. Donc, c'est le 28 mars à 11h30 à l'Hôtel d'Arry. Vous pouvez contacter la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy pour obtenir des billets. C'est plus d'un an de travail acharné là, qu'on va pouvoir, en montrer quelques bribes parce que je peux vous dire que des projets à la ville de Sorel-Tracy, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, puis on travaille sans cesse. Et là, je ne veux pas dévoiler tous mes punchs aujourd'hui. Il faut les garder pour ce dîner-là. Mais on a des belles annonces. Puis quand j'ai déjà dit par le passé, puis je le dis encore, dans 5 ans, la ville de Sorel-Tracy ne sera plus la même. C'est qu'on y pense vraiment et qu'on y travaille en ce sens-là. Alors, en espérant que tout tombe à point pour le dîner du maire du 28 mars. En tout cas, c'est à pas manquer. Je fais de l'autopromotion, là, mais je vous dis, là, c'est vraiment, ça va vraiment être un... En tout cas, je pense que c'est des belles annonces. Puis on parlait d'estime de soi, mais on va avoir une estime de soi régionale. J'espère bien qu'on s'en va. Quand on dit cap vers la croissance, c'est pas pour rien. Là, c'est pas des paroles en l'air. C'est parce qu'on va avoir du concret à présenter. Monsieur le maire, vous titillez. Là. Bien, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de monde au dîner du maire. C'est à ne pas manquer. C'est à ne pas manquer. Donc, sur ce, nous arrivons maintenant à la levée de la séance. Donc, qui propose la levée? Je propose la levée de la séance. Merci, monsieur Bélan. Qui appuie? Je l'appuie, monsieur le maire. Merci, monsieur Lajeunesse. Merci à tous. Bonne fin de soirée.